C'était la dernière traversée du plus puissant navire de guerre d'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hélicoptère? Cette jolie petite chérie, Miss Juillet 89. Ah putain, j'adore ce boulot! L'ambiance était chaude. Elle était même explosive. Imaginez cet arsenal d'armes nucléaires tactiques tombant entre de mauvaises mains. Le Pentagone, lui, ne l'avait pas imaginé. 4 minutes d'avance, je suis salement doué. Maintenant, une équipe de terroristes tenait le navire. Réveillez le président. Seulement, il y avait un petit détail auquel il n'avait pas pensé. Le cuisinier. Lâchez-moi ! Vous êtes un type des forces spéciales ou un truc comme ça? Non, moi je suis le cuisinier. On est fichu, on n'a aucune chance. Ça, c'est pas le travail d'un cuisinier. Je veux que vous coordonniez vos efforts avec les nôtres. À vos ordres! Je vois que vous avez totalement désobéi à mes ordres. Affirmatif. Ryback est un ancien commando. Il est expert en arts martiaux, en explosifs. Écartez-vous! C'est un tireur d'élite et un tacticien. Je cuisine aussi. Le Nimitz vient de repérer 2 Tomahawks lancés par le Missouri. Dans quelle direction? Honolulu. Bon voyage. Steven Seagal. On se connaît, non? Tommy Lee Jones. Ça faisait longtemps. Rendez-vous en enfer, matelot! Piège en haute mer.